Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je cherche Jineka. Ah, entrez, entrez. Merci. Excusez-moi. Allô? Prenez place. Ok. Oui, madame. Alors comment je vais faire? Je suis sur le point de partir. Alors comment est-elle arrivée ici? Ah, c'est compliqué. Je comprends pas ce qui se passe. J'apprécie cette fille depuis des années. Ça, c'est un problème. Ah, désolé. Oui. Ah, regarde. Au moment où nous parlons, ma femme du village arrive. Ok, je ne voudrais pas qu'elle vienne ici pour te trouver. Je te demande de partir. Attends, qui t'a donné mon adresse? C'est toi. C'est vraiment toi. Je suis désolée. Je suis Chimamanda. Je suis ta femme. Je proviens du village. C'est moi qui t'avais appelé. Oui. Quoi? C'est toi, Dina Kaonoma. Ce n'est pas toi. Kings, je ne comprenais pas ce que tu me disais. Tu étais bizarre au téléphone. Hein? Je ne t'avais pas dit de venir. Et toi? Tu m'avais dit que tu allais voir ton mari? Qu'est-ce que tu tentais de faire ici? Je t'avais. Attends. Hein? Tu m'as menti? Non. Non, je t'ai pas menti. Il est là. C'est lui que j'ai cherché. C'est mon mari. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu dis? Hein? Kings? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Rappelle-toi la femme qu'ils avaient épousée au village. Un mariage à distance. Elle m'a dit que c'est elle la femme que j'avais épousée au village qui devait venir. Oui. Waouh! Quelle coïncidence! Jeune homme, tu es chanceux. Selon moi, tu es très chanceux. Elle est très jolie et naturellement belle. Très bien, maintenant, veuillons le célébrer. Mon cher, tu as un problème dans ta tête. Hein? Comment ça tu me demandes de fêter pour une femme qui pute comme elle? Tu as fêté comme une femme. Tu sais combien de hommes qu'elle a couché avec avant que tu la croises? Ou les hommes avec qui elle a couché au village? Non! Je ne suis pas celle que tu penses. Je n'ai couché Ferme avec ta bouche. Personne.
voilà la fille dont je t'ai parlé. Elle est juste à côté. Est-elle belle, n'est-ce pas? Waouh! Tu as une belle vue. Elle est géniale. Oui, je vais la mettre dans mon lit. Tu me connais, mon cher. Tu sais que j'aime ces yards de filles. Là, je vais partir, je lui dirai, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de combien? Tu es dangereux. Très bien. C'est le moment. Je bouge. Bonsoir, jolie dame. Comment ça va? Bonsoir, monsieur. Je sens que tu ne vas pas bien. Bien, dis-moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Monsieur, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. Ne me rejetez pas, j'ai besoin de votre aide. Ah! Ce n'est pas la peine de pleurer comme ça. C'est pourquoi je suis là. Bien, mon nom est Benson. Ben pour tirer. Et toi? Monsieur, s'il vous plaît, je suis vraiment sérieuse. J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de votre aide. Je vais rejoindre mes parents. S'il vous plaît. Ah ah! Fais-moi confiance, bébé. Je t'ai écouté avec attention. Et je te dis quoi? Du moment où je passe le temps avec toi, les astres vont se rencontrer et toi, tu prends donc bien soin de moi. Allons-y, viens accompagner John. J'ai peur. Chut. Tu n'as pas à t'inquiéter de ça. Ça n'a pas de sens. Je suis là. Et regarde-moi cette beauté. Et viens chérie, on va partir. Ok, non. Oh. Elle a l'air douce. Alors, bébé, comment tu vas? Très bien. Quoi, mon cher? Voilà. Merci, allons-y. Monsieur. Je t'en prie. Entrez. Oh oui, tu es la bienvenue dans mon modeste appartement. Viens. J'ai beaucoup de vin. De toutes sortes. J'ai tout ce qu'il te faut. Quel vin veux-tu prendre? Monsieur, oui monsieur. Je n'ai besoin de rien. Ah, laisse-toi aller. Tu vas pas me le dire. Ah oui. Oui. Assieds-toi. Je suis un génie. Ah ah! Prends ça.
Monsieur, merci. Je n'en prends pas. Non. Ah. Je n'en prends pas. Non, 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 non. Tu ne peux pas refuser quelque chose venant de Choco Milo. Femme, goûte ça. Parce que c'est le meilleur vin. Tu l'apprécieras. Prends ça. Prends ça. C'est très bien. Ah ah! Trinquons pour ces mémorables et cette merveilleuse nuit. Trinquons? Trinquons! Ah ah! Je vois. Tu sais, tu es tellement belle. Je parie que tu dois être vraiment bonne. Monsieur, s'il te plaît, j'ai besoin de votre aide. Je ne connais personne ici, je suis perdue. Ah, tu as déjà mon aide. Je vais dire, tu es de ma maison. Hein? Et je suppose, tu ne pouvais pas rester à cet arrêt si tu n'avais pas perdu ton téléphone. Je pense, je suis ton grand sauveur. Hein? Ok, monsieur. Ah ah! Je sais ce que tu veux. Hein? Monsieur. Très bien, monsieur, maintenant. S'il te plaît, s'il te plaît. Qu'est-ce qui ne va pas? Je veux partir. Ouvre-moi juste la porte, s'il te plaît. Ah. Ah. Je suis désolée, monsieur. J'ai juste besoin de votre aide, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé après? Oh, allez, je ne l'ai pas touché. Je te disais. Écoute, je te connais très très bien, toi. Je te connais. Aucune fille ne peut venir chez toi sans que tu fasses quelque chose. Comment tu peux passer toute une nuit avec une fille et tu me dis que c'est rien passé? Hey. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes juste assis et rien fait? Hey, mon mari, je jure, rien n'était arrivé. Rien n'était arrivé. Je ne suis pas ton mari. Est-ce que tu comprends? Je ne suis pas ton mari. Non, je suis désolée. Il ne m'avait pas touché. Il essayait juste de m'aider. Oh, tu dis qu'il t'a juste aidé. Écoute, tu viens chez moi? Tu ne sais pas combien de fois je suis déçu d'avoir épousé une prostituée. Ah. Dehors. Calme-toi, tu ne peux pas la traiter comme une idiote. Je dis, si tu ne pars pas, je vais te pousser dehors. Oui. Oui. Sors. King. Quitte ma maison. Sors. Tous les deux, quittez ma maison. Non, pardon, s'il te plaît. S'il te plaît, quitte ma maison. Oui. Dégage, oui. Je ne veux plus te voir. Non, que sorte. Non. Dehors, dehors. Non, que dehors. Sorte. Non, non. S'il te plaît, je comprends ce que tu ressens. D'accord? Ne t'en fais pas. Je vais parler à mon pote. Il n'est pas dans une bonne humeur maintenant. Il ne va rien comprendre pour le moment. Je lui ai entendu dire qu'il veut rentrer au village et j'ai tellement peur. Non, ce n'est pas un problème. Je vais personnellement t'accompagner au village. D'accord? S'il te plaît, arrête de pleurer. D'accord? Juste, je veux que tu t'apaises. Hmm? Tout ira bien. D'accord? Merci. Allons-y. C'est à cause de toi.
C'est de ta faute que j'ai traversé ce moment. C'est de ta faute. Kiss, calme-toi. Ne me dis pas de me calmer. Pourquoi dois-je me calmer? Dis-moi, pourquoi dois-je me calmer? Oh Dieu! Pourquoi tu m'as fait ça? Allô, Raoul? Pourquoi tu m'as fait ça? Y a-t-il un problème? D'accord, d'accord. Je serai là. Je serai là. Ne me touche pas, laisse-moi tranquille. Apaise-toi. Calme-toi. Ne me dis pas de me calmer. Pourquoi tu me dis de me calmer? Dis-moi, pourquoi dois-je me calmer? Dis-moi pourquoi. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Oh mon Dieu, Seigneur, ta miséricorde. Ta miséricorde, Kiss, oh mon Dieu. Tu dois te calmer. D'accord? D'accord? Allez, Kessie, tu n'es pas censé faire ça. Hein? Qu'est-ce qui t'a pris pour parler aussi durement à cette fille? Ceci ne te ressemble pas. Qu'est-ce que je me suis fait? Est-ce que tu m'as déjà fait un compte rendu? Hein? Jessie, je t'avais dit maintes fois que rien ne s'était passé. Mais pourquoi tu ne peux pas juste me croire? Rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Tu penses vraiment que je vais y croire? Tu as passé toute une nuit avec une femme et tu me dis rien ne s'est passé? Je ne suis pas un enfant. Jessie, mais pourquoi est-ce que tu penses que je ne t'ai pas dit la vérité? Regarde-moi quand je te parle. Tu penses vraiment que c'est la vérité? Vraiment? Tu passes toute une nuit avec ma femme et tu me parles des conneries. Vraiment, toi, tu es malade. Jessie, tu es devenu complètement fou. Bien que tu étais là cette nuit, avant de partir. Et je suis en train de te dire que rien ne s'est passé et tu continues à ne pas le croire. Tu es le plus grand des idiots. Ça suffit! Ça suffit! Arrêtez-moi cette idiotie que vous faites maintenant là! Kingsley! Ainsi? Kisney! Thank you.
Amanda. Tu continues toujours de pleurer? Je t'avais dit pendant longtemps que tu dois arrêter de pleurer. Qui veux-tu entendre pour que tu arrêtes de pleurer? Oh, est-ce que tu souhaites rentrer au village? Je peux t'amener là-bas. Pourquoi il ne m'a pas écouté? Pourquoi? Pourquoi il n'a pas voulu m'écouter? Ma chère, écoute-moi. Tu sais très bien ce qu'il est en train d'endurer pour le moment. Tout ce qu'il fait, il finira par l'abandonner. D'accord? Juste calme-toi. S'il te plaît, peux-tu m'amener chez lui? Quoi? Oui, comme maintenant même. Ah. S'il te plaît. Tu veux le voir maintenant? Oui, je vais lui expliquer maintenant moi-même. Je vais lui expliquer, il va me comprendre. Très bien, tu vas le voir. Je vais t'accompagner. Merci. Merci, je t'attends. Laisse-moi me préparer. Es-tu sûr que tu vas le faire? Oui, je vais le faire. Mais je perds car je ne sais quelle sera sa réaction. Je t'avais dit de laisser cette affaire pour le moment, n'est-ce pas? Oui, tu m'as dit. Mais je suis en train d'insister, je dois aller le voir. Ça va, tu peux partir. Si tu essaies de le convaincre et tu ne réussis pas, tu m'appelles après ça pour que je puisse te prendre, ok? D'accord. D'accord. Merci beaucoup, j'ai vraiment apprécié. C'est bien. C'est bien. Je vais t'appeler si tout ne marche pas. Ça ne me dérangerait pas. J'attendrai ton appel. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu fais ici? N'est-ce pas interdit de venir chez moi? S'il te plaît, m'écouter, je vais t'expliquer. Expliquer quoi? Tu veux m'expliquer comment il t'a pris ou comment tu étais dans son lit? Non, je t'ai dit vrai, il ne m'a même pas touché, on n'a rien fait. Écoute-moi bien. Écoute-moi très bien. Je ne veux plus que tu reviennes ici. Non, attends, quitte là. Explique. N'importe quoi. Peux-tu imaginer? Je t'ai dit de ne plus rentrer ici. Es-tu malade? S'il te plaît, ouvre la porte. Laisse-moi tranquille. Merde. Tout ce temps, c'était juste ma femme qui j'avais poussé à mon ami de coucher avec. Ketchi? Papa? Ketchi? Apporte-moi mon téléphone. Apporte mon téléphone, c'est très urgent. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Ton téléphone est en charge. Viens avec. Combien de pourcents? Juste une fois. Pas de problème, je vais l'utiliser. C'est juste pour appeler ton frère. C'est très urgent. Papa, il n'est pas temps pour l'appeler. Il doit être en train de travailler maintenant. Ce n'est pas un problème. C'est très très important. Il doit prendre l'appel. Mais ça sonne, non? Prends l'appel, s'il te plaît. Prends cet appel, Odé. Ces garçons, s'il te plaît, prends-moi cet appel. C'est toujours ce que je vais te dire, non? Papa, qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi ton problème? Je trouvais une femme pour mon fils. Mais papa, tu as trouvé une femme pour mon frère Odinaka qui a voyagé à plusieurs années. Exactement. Tu ne comprends même pas? Tu es encore une petite fille, tu n'arrives pas à comprendre. Une bonne femme,
Je vais lui faire savoir. Oui, je vais lui faire savoir. D'accord. Alors, qui est cette femme? Hein, papa? Qui est cette fille? Je ne la connais pas encore. Mais je connaîtrai qui elle est très bientôt. Je vais... Mais papa, attends. Tu as trouvé une femme pour mon frère. Et tu ne la connais même pas. Papa, c'est vraiment amusant. C'est vraiment une blague la plus drôle que j'ai jamais entendue. Papa, elle tu ne la connais pas. Elle est une bonne femme. Elle est une bonne femme. Prends cet appel, non? Ah, qu'est-ce que c'est? Que je mange un peu. Hey, Nemo. Hey, c'est bon. Maman, c'est la nourriture. Mais je ne vais pas manger. Hein? Donc je dois t'attendre jusqu'à ce que tu vas arriver. Maman, tu avais décidé de m'attendre, oui. Mais n'est-ce pas que je t'ai toujours attendu? Oui, c'est bien. Fais vite. Mais laisse-moi juste les tester. Oh. C'est tellement bon. Maman, c'est bien comme ça. Je vais juste manger. C'est vraiment ça. Mange, il faut manger. Maman, je crois que c'est fini. Je vais l'ajouter d'autres à l'intérieur. Hein? Oui, donc tu laisses ça pour moi. Je vais l'ajouter. Oui, maman. Attends-moi juste. C'est bon. Maman, cette situation est tellement difficile. C'est difficile. Je ne sais pas pourquoi notre Igwe refuse de parler à son gouvernement. On doit déjà s'arranger. Parce que moi, là, ça me stresse déjà. Ma chère, ne te dérange pas. Tu comprends? Ne te dérange pas. Bientôt, tout sera facile. Ça va devenir facile. Tu diras que je me souviens encore du jour où je mettais de l'eau sur la tête et je l'ai portée tout seul. Ok? Mais maman, des grands hommes dans cette communauté, ils ont des robinets dans leur parcelle. Mais ils refusent que les gens viennent puiser de l'eau. C'est ça la vie. Ça, c'est quelle méchanceté, ça. C'est ça la vie. Tu vois maintenant la raison pour laquelle je t'ai dit que tu dois épouser un homme très riche. Il doit aussi être fort. Et comme ça, il va venir dans cette parcelle et mettre le robinet pour nous. Tu n'iras plus chez les gens pour aller puiser de l'eau. Maman, tu es compliquée. C'est ça, comme c'est ça. Idée, ça. Amanda, il y a une chose que je voulais te dire. Oui. Ah. Regarde. Regarde les mouches. Mais c'est quoi avec les mouches? Laissez-moi manger, bonne, non? C'est quoi ça? Elle est bonne, maman. Elle je ne veux pas les suivre. Il y a quelque chose que je voulais vraiment qu'on parle. Je t'écoute, maman. J'ai fait un rêve la nuit dernière à ton sujet. Désolée. Ok. Les rêves parlent de quoi? Qu'est-ce qui te fait rire? Maman, rien. Donc, c'est ton rêve, non? En fait, maman, dis-moi les rêves. Je t'écoute. Dans ce rêve-là, je te vis que tu as épousé un homme très riche. Je te dis que c'était terrible. Et cet homme riche n'était pas de ce village. Il revenait de la ville. Si c'est à Lagos ou à Abuja, je ne sais pas. Je vois ce que je disais, maman, tu vois. Une chose, qui t'a dit que je vais me marier maintenant? C'est quoi ça? Ferme-moi cette bouche, n'ose même pas. Je veux dire que je vais me marier maintenant. Hein? Quand j'avais ton âge, j'étais déjà enceinte de toi et j'étais dans la maison de mon mari. Hey! Maman, tu as oublié que ça c'était le passé, oui. Nous parlons du présent et j'ai maintenant l'âge. Hein? C'était au Moyen-Âge. Maintenant c'est l'âge de l'Europe, hein? Et l'âge de l'ordinateur. Hein, c'est ça, l'âge d'ordinateur. Écoute, oh, je ne ris pas. Oh. Je veux que tu fasses de mon rêve un sujet de prière. Oui, parce que j'en fais déjà ma prière. Et je veux aussi que tu en fasses un sujet de prière pour que ça se réalise. Tu m'as écouté? Maman, s'il te plaît, calme-toi. Oh. Tu connais bien tes rêves et tes prières. Donc, maman, et s'il te plaît, maman. Oh. Doucement quoi? Oui. Tu veux devenir comme le fille d'aujourd'hui qui n'aime pas se marier? Tes prières seront... Ça, c'est mon sujet de prière. Oh. Donc, tu dois faire avec. C'est ça. Papa, Obinaka t'appelle. Obinaka, mon fils. Bonsoir, papa. Comment tu vas?
Oui, je vais bien. Et toi? Comment vas-tu là-bas en Amérique? Papa, la vie est compliquée ici. On doit voyager à tout moment et chercher de l'argent comme ça. Mon fils, tout ira mieux. J'étais toujours dans mes prières. Hein? Tu m'avais dit que tu avais quelque chose à me dire lorsque tu m'avais appelé quand j'étais occupé. Je viens de trouver une femme pour toi. Ne me dis pas que tu m'as appelé pour ça. Je suis très sérieux, mon fils. Écoute, j'ai trouvé qu'il y a tout de bon en elle. Elle est une fille qui travaille très dur, venant d'une bonne famille. Elle n'est pas seulement une femme, mais aussi une mère. Hein? Et en parlant de beauté, elle est très belle. Elle est très belle, mon fils. Je sais quand je parle de beauté. Je sais ce que tu aimes, mon fils. Elle est très belle. Mais je ne t'ai jamais dit que je veux me marier. Tout fier à quoi? Ne dis pas ça, non. N'ose pas sortir de mon pareil de ta bouche. Tu es mon fils et tu dois te marier. Tous tes amis sont déjà mariés et même c'est avec qui tu es là-bas. Hein? Ok. Alors, c'est qui la femme? Ne t'inquiète pas, mon fils. Je prendrai soin de tout. Hein? Ne t'inquiète pas. Maintenant, là, tu as raison. Obi, je vais t'appeler demain. Hein? Comme ça, je vais t'expliquer tout ce qu'il faut que tu saches concernant cette fille. Hein? Tu vas l'aimer. Mon fils, tu vas l'adorer. Tu vas l'adorer. Elle est très, très belle. Je suis ton père. Je sais ce qu'il y a de mieux pour toi. D'accord, mon fils. D'accord. C'est bon. Hein? Attends. C'est toi? Bonjour, monsieur. Ma fille. Hey, excuse-moi. Je me suis d'ailleurs dit, quand est-ce que je vais encore te voir? Non. Monsieur, je pense qu'il n'y a pas un problème. Non, il n'y a pas de problème. C'est juste que l'autre fois, lorsque je t'avais vu, le jour où je t'avais vu là, j'étais très ému. Je m'étais dit, il fallait que je te suive et que je te connaisse un peu plus. Mais c'est quoi ton nom? Mon nom, c'est Chimama. Chimama, en tout cas, c'est un très bon nom. Cela t'a été donné... merci. C'est un très bon nom. Tu es une très belle femme et qui sait prendre soin de sa maison. Tu sais prendre soin de ta maison. Et d'où viens-tu? Je viens d'y marcher. Qu'est-ce que j'ai dit d'ailleurs? Une très belle femme qui sait aussi prendre soin de sa maison. Une femme au bon sens. En fait, d'où es-tu originaire? Je suis de cette communauté, monsieur. Non, non, non. Comment peux-tu être de cette communauté et que je ne t'ai jamais vu avant? C'est qui ton père? Mon père, c'est Mazekwe. Attends. Tu veux dire? Attends. Mazekwe de Obinaku? Oui, c'est lui, mon père. Hé, hey, wow! Donc, c'est toi. Tu sais, je t'ai connu lorsque tu étais encore très petite, avant que ta mère ne parte avec toi. Donc, vous êtes resté là-bas pendant longtemps? Oui, monsieur. Vous êtes revenu? Oui, monsieur. Et tu es maintenant devenue une très belle fille, hein? Très belle et qui sait faire le ménage. Merci, monsieur. Excuse mes mauvaises manières. Je suis Ichie Onoma. Ces jours, je t'avais vu. Que je t'ai dit, il fallait que je te suive. Pour savoir d'où tu viens. Je t'avais très bien regardé et je me suis dit que celle-ci serait une très bonne femme pour mon fils. J'ai toujours défendu, oh. Je suis très, très sérieux. N'ose pas me dire que tu as quelqu'un dans ta vie. C'est ça? Non, je ne pense même pas à propos de ça. S'il te plaît, ne pense même pas à ça, parce qu'à partir de maintenant, tu es prise. Tu es prise par mon fils. Oh, d'accord. Ok, monsieur, merci beaucoup. J'ai beaucoup traîné au marché. Je dois arriver à la maison pour parier pour... D'accord. Moi. Je viendrai souhaiter à ta mère bon retour. Hein? Je viendrai dire bon retour à ta mère. D'accord, vas-y maintenant. Merci. C'est bon. je l'ai finalement vu. Je l'ai finalement vu. Une autre eau pure. Donne-moi une autre. Je l'ai finalement vue. Donne-moi une autre. Papa, pourquoi quand mon frère t'appelle, tu répètes toujours les mêmes histoires, hein? Oh. Papa, arrête de l'appeler, arrête de les troubler. Peux-tu fermer ta bouche? Peux-tu la fermer? Comment puis-je mettre mon propre fils dans un pétrin? N'est-ce pas important pour lui de voir des appels et de décrocher? Qu'est-ce que tu veux dire? Et tu dis toujours, ne l'appelle pas, ne l'appelle pas, ce n'est pas le bon moment. Et c'est quoi le bon moment pour l'appeler?
Papa, ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Il t'a déjà dit que tu peux l'appeler la nuit vers 22h. Mais pourquoi tu continues toujours à lui déranger, hein? À cause d'une femme qu'on n'a jamais vue. Ah, papa, je suis désolée. Arrête, oh. Arrête. Il travaille, non? Ah, arrête de l'appeler. Arrête de lui déranger. Ah, arrête de l'appeler. N'importe quoi. Obinaka, allô? Afoka. Afoka, pourquoi est-ce que tu m'appelles? Je ne suis pas de bonne humeur. Afoka. Quoi? Afoka, dis à cette femme que je ne suis pas intéressé. Je ne suis pas intéressé à vendre cette terre, Afoka. Je ne suis pas intéressé. Afoka, je ne vais pas vendre cette terre. Point final, je ne vais pas vendre. Je ne veux pas vendre. Hein? Obinaka, mon fils. Désolé, je suis désolé. Obinaka, j'ai pu m'acquérir de toutes les informations. Tout ce qu'il fallait que je sache concernant cette fille. La parole de notre Dieu dure éternellement. Mais voici, je suis là. Eh, wo. Eh, Naï. Hein, Naï. Comment vas-tu? Je veux bien. Bonjour, d'accord, monsieur. D'accord, Dieu merci. Eh, mon oui. frère. Oui. Alors, je suis venu c'est te voir. C'est vraiment gentil, mon frère. Allons-y à l'intérieur. À l'intérieur? Non, 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 non. Il fait bon ici. S'il te plaît, essaie de me mettre sous cet arbre. Oui. Oh, comme ça, je vais t'offrir les noix de cola. Les noix de cola? Laisse les noix de cola. Ne t'inquiète pas, je suis déjà assez plein. Eh, oh. S'il te plaît. C'est bon. Je peux voir que tu profites de ton temps dans les seigneurs. Exactement. Ça m'éprouve à suffisance que je suis au bon endroit. Oui. Oh oui. Oh Naï, c'est vrai. Je ne sais même plus si tu te rappelles de moi. Je suis Chionoma. J'étais l'ami à ton défunt mari lorsqu'il était encore en vie. Chionoma. Je sais de me rappeler ce visage. Je pense t'avoir vu dans quelques endroits avec nous. Nous sommes venus dans ta maison deux fois lorsque tu étais encore à peine mariée. C'est vrai ça? Oui. Oh, j'espère que vous allez bien. Très très bien, oh. Très très bien. Bien. J'aille tout droit au but. Je suis venu pour le compte de ta fille. Ma fille. Mm-hmm. Chimamanda, ma fille. Exactement. Exactement. Je suis sûre qu'elle n'a rien fait de mal. Elle a fait quelque chose de très mal, oh. Hey. Très 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 mal. J'étais toujours très mal. Naï. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ce qu'elle a fait de mal, c'est qu'elle a gagné toute mon attention. Alors, je suis venu pour demander sa main en mariage. Hey! Heureusement que tu étais en train de blaguer, oh mon Dieu. Tu es venu demander la main de ma fille pour le mariage? Exactement. Et je l'avais vue autrefois. Je l'avais regardée. Puis je l'avais suivie. Et j'ai commencé à la suivre depuis bien un moment. Je l'ai observée. Je me suis dit, elle est une très belle fille. Elle fera une très très bonne femme pour mon fils Obinaka, celui qui se trouve en Amérique. Hey! Non, j'allais faire une crise. Mais je vous dis, je crie que c'était vous qui demandez sa main en mariage. À cet âge. Mais j'étais estomaqué. Mais je suis aussi celui qui demande sa main en mariage parce que je dois à chaque fois garder un œil sur ces jeunes gens. Sinon, ils seront détournés de la bonne voie. Lorsqu'elle voulait être là, vous l'aurez finalement eu par la main et me la remettre alors qu'elle est à mon fils. Oh oui, c'est pourquoi je suis venu, né. Tu. Mon petit garçon, non, Obinaka, c'est lui qui courait tout nu ici dans ces villages. Il est actuellement en Amérique. Et c'est pour son compte que je suis venu. Votre fille est une très belle fille. Oh, merci, et Naï. Une très bonne femme. Elle fera une très bonne femme pour mon fils. C'est-tu que tu as failli me faire faire un AVC? Oh, c'est vrai. Je t'ai dit. Non, ça c'est vrai. C'est merci. Pas un problème. Je vais l'informer merci. Quand elle sera de retour. D'accord. Parce que maintenant, elle n'est pas la même. Ok, pas de problème. Ah, d'accord, pas de problème. C'est dans bon, ce cas, Naï. Je crois que je dois partir. Mais je reviendrai demain pour avoir le compte rendu. C'est vraiment pressé. Demain, demain. Et d'ailleurs, cette nuit même, je parlerai à mon fils concernant notre réunion. Oh, Naï, tu veux vraiment que tout se fasse vite. Et comment allons-nous le faire encore?
Essayons de battre ses fers quand il est encore chaud. Pas de problème. Ok, d'accord. Nous sommes que là. Que je parte maintenant. C'est bien. Lorsque je reviendrai plus tard, je prendrai ces noix de cola. Pas de problème, monsieur. Hein? D'accord. Oh. C'est bon. Mais salutations à ta famille. Merci, merci. Je m'en vais. Au mais revoir, s'il te monsieur. Plaît, fais-le pour moi. Je le ferai. Oh. Mais ça, c'est vraiment la vie de nos s'il enfants. Te plaît, fais-le pour moi. Oh, n'oublie pas. Mon Dieu. Amanda va épouser un homme d'Amérique. Elle ira en Amérique. Et je vais devenir la belle-mère d'un Américain. Hey, regarde comment la vie nous réserve de bonnes choses. Oh. Je serai comme ça, avec toute la fierté. Merci, mon Dieu, pour ton cadeau, parce que tous ces villages sauront que je suis la mère de Jennifer. Hey. Ha! Je vais commencer à parler. Yo, man. Yeah, man. L'anglais. Oh. Maman, tu connais tous les hommes et la manière dont ils aiment parler. Je pensais juste qu'ils complimentaient la belle fille que j'étais. C'est... Hey! Oui. Ma fille, hein? Ça, ce n'est pas juste des compliments. Il est vraiment sérieux. Il m'a d'ailleurs dit que son fils est en Amérique. Et il va revenir ici demain pour venir te voir et parler avec toi. Hein? Et maintenant, qu'est-ce que tu dis? Anne, à qui quoi, dois-je? Qu'est-ce que tu penses? Donc, il veut me prendre comme sa belle-fille? Bien sûr, non. Maman, mangeons et nous allons parler de cette causerie après. De quoi nous allons parler après? Cet homme-là était venu ici le matin. Et nous sommes déjà la nuit. Hein? Demain le matin, il sera ici. Hein? Je veux savoir ce que tu vas lui dire quand il viendra. Pardon, parlons. Maman, je vais finir la nourriture. Oh. Maman, juste attends, je vais t'expliquer après. Hein? Toi, tu es toujours comme ça. Non, attends, je sais vais que ta t'expliquer. Nourriture est vraiment bonne. Hein? Tu as vu la façon dont tu as préparé cette nourriture. C'est comme ça que tu vas commencer à le faire pour ton futur mari. Tu m'as compris. Tu es déjà une Américaine. Oh. Comme ça, il va encore aimer. Ah, c'est quoi ça? Pourquoi fermes-tu la porte? Hein? Maman, on se déplace un peu pour voir quelqu'un. Partir où? Je t'avais dit que cet homme-là viendrait ici aujourd'hui. Ce que tu dois faire, c'est rester à la maison et l'attendre. Maman, s'il te plaît. Dis-moi un peu, es-tu vraiment sérieuse? Regarde-moi cet enfant. Elle me pose la question si je suis sérieuse. Donc l'homme ressemble à une personne moins sérieuse. Maman, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il vient, hein, donne-lui la place à n'importe quel heure, à n'importe quel lieu, à n'importe quel lieu où tu trouves bon. Et tu vas lui dire que... C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Maman, dis-lui que j'ai dit, moi, Chimamanda, je ne suis pas intéressée, c'est pourquoi? Tout. Pourquoi? Pourquoi? Pardon, dis-moi pourquoi. Pourquoi tu ne seras pas intéressée? Chimamanda ne me cherche pas où? Reste ici à la maison et tu vas attendre cet homme. Tu vas écouter. Non, maman. Maman, arrête ça. Je n'ai pas au fait une réponse. Je n'ai pas du tout une réponse pour lui répondre. Arrête ça, maman. Mon Dieu, regarde-moi ça. Ma chérie, tu m'as dit de t'accompagner quelque part, non? Viens, on part. On part. Allons-y. Donc, je pars de bêtises. Maman, ne t'inquiète pas. Il reviendra, ok? Il reviendra. C'est quoi ça? Quand il viendra, je dirai quoi? Si cet homme-là venait ici, je vais lui dire de t'attendre. Et peu importe où tu iras, sache qu'il y a une personne qui t'attend ici. Maman, nous allons revenir. Qu'est-ce que tu dis? Tu m'amènes dans les blagues pas avec moi. Maman, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Fais un effort de rentrer très vite ici à la maison. Ne fais même pas plus de 30 minutes là où tu vas. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Hein? C'est quoi cette affaire avec cette fille? Nous avons bien parlé. Et maintenant, elle sort. Qu'est-ce qui ne va pas? Hé hé, je t'attends ici. On va voir entre nous deux. Je suis là, j'attends. Non. Je ne peux plus tolérer ça. Amanda, je ne suis pas contente. Je ne suis pas contente de ce que tu as fait. Hey, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce que je fais de mal là? Amanda, pourquoi tu as parlé à ta mère de cette façon? Ne le répète plus. Ce n'est pas poli. Excuse-moi.
Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je devrais rester là et entendre n'importe qui était en train de parler? C'est ce que tu voulais que je fasse? Amanda, calme-toi. Je devrais me calmer, cries? Pourquoi? Je devrais crier, pourquoi pas crier? Hein? Pour respecter ta mère et mettre en pratique tout ce qu'elle dit. Marie-toi, ça serait une bonne chose. Hey, mon Dieu. Laisse-moi te demander s'il te plaît, hein? Es-tu prête pour le mariage? Oh, excuse-moi, c'était une stupide question. Je vois que tu es prête, mais pour moi, Amanda, je ne suis pas prête pour le mariage. Je ne suis pas prête maintenant. Ah, ah, qu'est-ce qui ne va pas? Laisse-moi tranquille, hein? Donc, je dois... Non, s'il te plaît. Je ne te comprends pas. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Oh, tu veux rester ici pour rentrer à la maison, n'est-ce pas? Non, s'il te plaît, allons-y, allons-y. Hey, tu ne vois pas que tu vas mal? Je ne veux rien de mal, non? Allons-y, ah, tu es mon ami, allons-y. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Maman, rien ne va pas avec moi. Tu as dit qu'il n'y a rien qui te dérange? Oui. Et tu es partie traîner je ne sais où avec ta copine là, Chukube. Maman, maman. Qu'est-ce qu'il y a à m'appeler maman? Ne m'appelle pas maman cette nuit. Tu comprends? Ne m'appelle même pas maman. Tu sais, l'homme dont on parle ici, il est en Amérique, à l'étranger. Mais réveille-toi, ma fille. Écoute, maman, écoute. S'il est méré, il pourra aller même dans d'autres villages. Donc, je ne sais même pas où. Ce qui est important maintenant est que si j'étais intéressée, gloire à Dieu, mais je ne suis pas intéressée. Je ne suis même pas prête pour le mariage. Et je peux voir vraiment que tu es bête. Et je peux voir que tu es vraiment une folle. Mais laisse-moi te dire, cet homme t'a attendu toute la journée. Et il a dit qu'il reviendra demain matin. Pour ton information, tu ne sortiras pas de cette maison le matin. Tu vas rester ici à l'attendre. Et tu diras oui à la proposition qu'il amène. On se comprend? Maman, tu m'imposes ta volonté? Je m'en fous. Ça me concerne en quoi? C'est que j'essaie de te dire que tu dois accepter l'offre qu'il t'amène, c'est tout. Je finis et on verra entre moi et toi. Moi, je dors ici. Qui est là? C'est bien moi, oh. C'est qui? C'est moi, Ichio Noma. Eh, oh. Né? Eh. Ichio. Bonjour, monsieur. Bonjour. Désolé que je t'ai dérangé du sommeil. Je ne savais pas que tu viendras si tôt. C'est vrai. Un homme qui a réellement besoin de quelque chose ne se permet pas de dormir jusqu'à ce qu'il l'obtienne.
C'est vrai ça. Oh oui. Entrons alors. À l'intérieur. Asseyons-nous là-bas, non? Et n'est-ce pas une chaise? Que je me mette ici. Hein? Je préfère me mettre ici parce que de l'air naturel qui surquille. Tu aimes bien les dehors. Si ce n'est pas sous l'arbre, tu aimes bien rester dehors. Pas de problème. Permets-moi d'aller vite. Exactement. Pour c'est pourquoi je suis venu plus tôt. Avant qu'elle ne s'enfuie encore avec ses tu amis. Tu connais les enfants. Ils ne donnent pas la tranquillité. Hey. Oh là 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 là. Olé. Itché, je l'ai appelée. Mmh. Elle arrive. D'accord. Elle va venir tout de suite là. Comment il va? Il va bien. Il va bien. Nous parlons souvent. C'est vrai. Tu sais un peu comment le show se passe là-bas en Amérique. Très souvent, il n'a pas le temps pour... Mais le peu de temps qu'il trouve, nous nous appelons. Une session de profiter directement. Nous parlons souvent. Oui. Oui, et de quoi tu parlais, que tu disais ça tombait oui, comme c'est ça blanc. C'est quoi? Très très blanc. Tu sais, il dit, ça tombe partout, partout, très très proche. Comme les blocs comme des de blocs glace. De glace. Hey! Partout en tout cas. Et partout, ça devient blanc. Oh, c'est quoi ce phénomène? Il n'y a rien à mettre sur la peau contre ça. C'est vrai ça. J'aimerais le voir. Amanda! Amanda! Viens vite ici. Je t'ai dit qu'il y a quelqu'un qui t'attend ici. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Il faut vite bosser. Pourquoi ça? Ma fille. Monsieur, bonjour monsieur. Merci ma fille. Désolé que je t'ai réveillé de ton sommeil pendant que tu en avais normalement besoin. Je suis sûr que ta mère t'a déjà dit tout ce que tu dois savoir. Mais je peux aussi essayer d'ajouter quelques petits détails. Itché, s'il te plaît. J'ai déjà répondu à moi que je ne suis pas prête pour le mariage. Je ne suis pas prête. Oui, je ne suis même pas intéressée par ta demande. Regarde-moi cet enfant. Ferme-la. Tu sais pas que c'est un Itché. Comment tu peux lui parler comme ça? Itché, ne te fâche pas. Ne prends pas ça mal. Tu sais qu'elle vient de se réveiller. Peut-être qu'elle a fait des mauvais rêves ou quoi. Donc, ses pensées sont dispersées. Oui, je comprends. Tu connais nos enfants, quand ils viennent de se réveiller, ils parlent de n'importe quoi. Oui, je comprends. Je comprends très bien. C'est bon. Te dérange pas. Je vais lui parler. Je vais lui parler et elle va écouter. Je vais vous donner d'accord. une réponse positive. Donc, je dois partir et continuer à espérer. Ne te dérange pas, il faut avoir l'espoir. D'accord, c'est bon. Dans ces cas, que je rentre maintenant chez moi. C'est pas grave, Naïe. Je voulais même te donner quelque chose à boire. Non, non, rien. Ne vous inquiétez pas, c'est, que je parte. Merci énormément. Pas de problème, merci en Naïe. Tout cas. Mon frère, ma fille. Bonne année. C'est quoi ton problème? Né. Au revoir, oh. Bye bye. Tais-toi. Maman, c'est une imposition. Ferme-moi ta bouche. Je te l'ai dit depuis longtemps. Si tu blagues, fais attention à toi. Allez, entre là-bas. Fais entrer cette chaise. Moi, je vais me mettre de l'autre côté. Je ne suis pas intéressée pour vos demandes là. Adi, va là-bas. Reste là-bas à l'intérieur. Prépare le petit déjeuner. Oh. Tu es là, c'est ma bien rapide à parler. Un jeune garçon de l'Amérique. Mais qu'est-ce que tu cherches encore? Ose, tu verras. Je vais te montrer de toutes les couleurs. C'est vraiment de la folie. Amanda. Amanda. Je t'ai portée dans mon sein pendant 9 mois. Je t'ai enfantée. Je t'ai élevée et tu es maintenant adulte. Je t'ai nourri et je continue à te nourrir jusqu'à présent. Et ça, c'est la façon dont tu veux me remercier. C'est ça? Maman, c'est que je vais te payer comment? Hein? Depuis que vous avez commencé à parler, je ne suis pas intéressée pour ça. Oh. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Dis-moi, qu'est-ce qui ne te plaît pas? C'est juste parce que tu as rejeté un jeune homme prometteur qui est venu vers toi pour nous libérer de notre problème de la pauvreté. Hein? Ou de la façon que tu veux rester jusqu'à ce que tu atteignes la ménopause. Au nom de Jésus, maman, si encore jeune. Ne me dis pas ça, ferme-la. Tu es toujours jeune. À ton âge, je t'ai déjà mariée à ton père. Je t'avais déjà mise au monde. Et tu es là à me dire que tu es encore jeune. Et maintenant, écoute, et écoute-moi bien. Tu dois épouser ce jeune homme-là. Tu me comprends?
Je ne peux pas continuer à souffrir comme ça. Amanda, j'ai souffert. Ton père est mort et moi, je prie soin de toi. Je t'ai nourri, je t'ai habillé, je t'ai instruit. Et maintenant que je suis supposée d'être heureuse. Et maintenant que je suis supposée à réduire ma souffrance. Mais toi, tu veux les saboter. Amanda, tu mens. Ça ne va pas marcher, tu veux épouser ce jeune homme. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Moi, je n'épouserai personne, non. Qu'est-ce que tu veux que je réponde? Dis-moi un peu. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans tout ce que je viens de dire? Tout ça parce que ma maman a dit de me marier avec une personne étrangère, une personne que je n'ai jamais vue, ou parce que je ne suis pas prête pour me marier maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Amanda, juste pour ce que tu avais dit, tu as mentionné un Américain. Beaucoup d'hommes vivant à l'étranger sont de menteurs. Et si c'était un escroc? Ma chérie, il ment. Je jure, laissez-le mes témoins. S'il ment, c'est son problème avec Dieu. Je suis Amanda. Je ne suis pas intéressée. Vous ne me comprenez pas? Je te comprends. Calme-toi. Si tu veux mon avis, je pense que tu dois réfléchir un peu. Nous sommes en train de parler d'un Américain. Un Américain, oh. Tu dois penser sur ça. Ma chérie, je te reviens, ok? Maman, tu m'as appelé. Oui, je le fais. Viens et assois-toi. Que je suis la présidente de notre groupe de femmes COW. Ok. Toutes les femmes me prennent pour un modèle. C'est bien. Je sais aussi que tu le sais parfaitement bien que l'enfant de Mamada s'est marié 3 mois passés. Pour clôturer le tout, ton inférieur, quand tu étudiais, ton inférieur est Jideka, s'est marié la semaine passée. Hey, Chimamanda, qu'est-ce que t'as en tête, hein? Ta petite sœur s'est mariée et toi, tu crois que tu es toujours jeune. Arrête de m'appeler Na. Attends, maman. C'est la raison pour laquelle tu m'as réveillée. Hein? Ce mariage est-il obligatoire? C'est pourquoi tu es venue me réveiller. Tais-toi! Ferme-moi cette bouche-là. Cela n'est pas une raison pour te réveiller. Hein? Restes-tu jeune? Pourquoi tu refuses de te marier, tu m'amandas? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est juste au moment où Dieu a décidé de nous bénir. Tu as pris quelqu'un de loin pour lui faire entrer dans cette famille. Et tu t'es décidé de tout gâcher en refusant le mariage. Je ne veux pas me marier. T'es marié à qui? Un homme qui est en Amérique. Hein? Chimamanda. Hein? Maintenant que je m'apprête à comment se comporter, comment me promener devant les femmes, comment je pourrais faire un tour en Amérique, comment ma pauvreté serait allégée et comment... Maman. Donc, tu veux que je marie avec un étranger? Une personne que je n'ai jamais vue auparavant. Je n'ai jamais vu, maman. Ok. Comme cette histoire ne s'arrête pas. Dis-moi, maman, comment est-ce que ça va marcher? Nous ne sommes pas ensemble. Il est là-bas et je suis ici. Comment est-ce que ça va marcher? Comment est-ce que tu vas le faire? Explique-moi un peu, maman. Oh, ma chérie, ça là, ce n'est même pas un problème. Ce n'est pas un problème, sois calme. Ça, ce sont des genres de questions que je veux que tu me poses. Pas de futilité que tu dis là. Tu n'as jamais entendu parler des mariages en représentation. Quelqu'un va les représenter. Surtout que son père est encore en vie. Ça, ce n'est pas un problème.
Et ceux-là qui n'ont pas de parents, le chief le représente et c'est comme ça que ça se passe. Ah, il n'y a pas de problème. Toi, sois calme. Tu me comprends? Oh? Comment peut-on appeler cela? Chukuba, je ne sais pas. Je ne sais pas comment l'appeler. Si c'est le mariage à distance, mariage de photo, en tout cas, je ne sais pas. Je ne sais pas comment est-ce que je peux l'appeler. Je ne comprends pas juste. Et image du mariage? Tu connais ce que cela signifie? Si toi, tu me demandes, qu'est-ce que moi, je vais demander? Non, 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 non. Amanda, arrête. Tu n'es pas supposé de parler de ça ainsi. Tu connais la signification de ces mots? La nouvelle se répandit dans tous les villages que tu vas te marier à une image. Une image. Je ne sais pas. Alors si c'est un mort, et qui sait si c'est un mort, si c'est un vivant ou amputé. Voilà un autre problème. Oui, je l'ai déjà dit. Je lui ai dit que je ne saurais pas le faire. Je ne peux pas porter la honte. Là, tu as raison. Mais je ne sais pas ce qu'elle pense. Je ne sais pas ce que maman est en train de penser. Image de... Hey, c'est ton désir? Ce n'est pas mon désir. Découpé. Attends. Bon après-midi, maman. Chukube, tu vas bien? Attends. Je suis sûre que ton ami t'a tout dit au sujet de son mariage, qui sera avec quelqu'un de l'Amérique. Hein? Oui, maman, elle m'avait informé, mais à mon avis, je pense que elle n'était pas vraiment intéressée à ça. Tu sais que tu es sa meilleure amie. Je voulais dire la seule amie qu'elle a dans ces villages. N'est-ce pas, ma chérie? Oui, maman, je le sais. Et je crois que tu l'encourages à faire ce mariage. Je voulais dire, je crois que tu ne la décourages pas de ne pas épouser cet homme-là d'Amérique. Maman, moi, les pousser à accepter ce mariage? Maman, non, je ne peux pas le faire. Pourquoi le faire? Oh, ça c'est bien. N'ose même pas le faire. Tu m'as compris? C'est bien comme tu n'oses même pas. Parce que tout le monde, inclut même toi, son meilleur ami, qui oserait lui décourager de ne pas accepter ce mariage? Je vous dis, aïe! Tu sais ce qui va me séparer de la personne? C'est les sanctuaires de Gougou. Maman, oh, ce n'est pas important de le faire. Ok, ne t'inquiète pas, je vais lui parler. Je vais converser avec elle, je te promets. Tu ne savais pas. Tu m'as compris. Hein? Comme toi, tu ne veux pas te marier. Pardon. Ne lui dis même pas de refuser ce mariage. Ne la conseille même pas. Maman. Sinon, nous allons finir comme je l'ai dit. Tu m'as entendu? Hey. Tel que nous sommes là, nous devons vraiment chercher la paix. Si tu ne veux pas te marier, à ce sujet, ferme-moi ta bouche. Parce que vous, le fille de ce village, la seule chose que vous connaissez, c'est de parler comme des interprètes. Ta, 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 ta. Pour ne rien dire à la fin, ferme-moi ta bouche. Si tu n'arrives pas à la fermer, je vais t'aider à acheter le super glue. Et je te donnerai comme ça, tu sauras fermer ta bouche. Je t'ai averti. Essaie un peu de demander, Chimamanda qui est debout ici, pourquoi elle refuse catégoriquement d'épouser l'homme que je lui propose. Maman, demande-la pardon. Je veux que tu le comprennes bien. Ce n'est pas le fils qui demande ma mère en mariage, mais au contraire, c'est son père qui le fait à sa place. Où est le problème? Ce n'est pas pareil. Que ce soit lui qui l'a fait ou c'est son père qui l'a fait, n'est-ce pas? Que le tout, c'est pareil. Monsieur, écoutez-moi.
Maman veut que je me marie avec un étranger. Une personne que je n'ai jamais vue avant. Une personne que je ne connais pas. Est-ce que tu t'entends, Udioma? Udioma, tu as écouté ta fille? Est-ce que tu l'as bien écoutée? Ezuku, est-ce que c'est vrai? Naï, je te l'ai dit avant. Hein? Le garçon est en Amérique. Ah bon? Et il veut épouser une personne de ses villages. Où est l'étranger en question? De notre village. Oui, et tu connais son père. Son père, c'est Ichionoma. Tu connais Ichionoma. C'est Odinaka, son fils, qui veut épouser ma fille. Ichionoma. Ichionoma, non. Attends. Tu me parles de ces Odinaka qui suivaient sa mère à Shankestan? Il est le fils de Ichionoma, l'ami de ton défunt mari. Bam! Hey! Mon Dieu, quelle chance! Quelle chance! Naï, Naï, il est vrai que si je voyais Odinaka aujourd'hui, je ne veux plus le reconnaître parce que tu sais, il a quitté ce village très tôt. Mais son père m'a dit que le fils habite en Amérique, là-bas en étranger. Hey! Tu m'as mandé ma fille. Écoute ma fille, tout ce que tu dois faire est que tu sois vraiment courageuse. Si tu regardes, comment on l'appelle? Ok, le fils de Okafu. Hein? Il vient de l'Amérique. Il a beaucoup d'argent. Il achète des voitures pour sa famille, son beau-père et sa belle-mère. Hein? Pourquoi est-ce que tu veux rester pauvre? Vraiment, je crois que c'est ce que ça sera bien. Un jour, tu rentres ici et tu achètes pour ta mère une voiture. On va vraiment te remercier et tu auras une grande bénédiction. Mon oncle, je vois que tu soutiens ma maman maintenant. Hein? Mais je suis désolée de vous décevoir, vous deux. Je n'épouserai personne. N'importe quoi. Je n'épouserai personne. Maman, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je ne veux pas de problème, maman. Laisse-moi tranquille. Toi-même, tu as vu. Toi-même, tu as vu. Tu as vu de quoi je parle. Tu m'as mandé. Hein? Tu m'as mandé. Cette fille veut que je meure vraiment pauvre. Regarde-moi cette maison. Regarde. Oui, tu as raison. Elle ne veut même pas que moi je puisse me réjouir avec toute la souffrance que je subis pour elle. Comme ça, moi je vais la... Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Elle va l'épouser. Elle va l'épouser. Pourquoi ma fille est devenue si têtue? Pourquoi elle désire faire passer cette opportunité de sa vie? Oh Dieu, démoralisée. Qui peut convaincre cette fille d'épouser ce jeune homme? Imagine quand Dieu a décidé de nous bénir. Chimamanda s'appelle la malédiction. Pourquoi elle est en train d'agir de cette façon? Je crois que je sais ce que je peux faire. Oui. Maman, bonjour. Maman, laissez-moi jouer la laine. Maman. Maman, s'il te plaît, non, je vais balayer. Laisse maman. Ne me provoque pas.
Amanda. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais avec mes habits? Je vais les nettoyer. Ça va te tuer la même. Combien de fois t'ai-je averti de rester loin de mes affaires dans cette maison? Hein? Combien de fois je vais te dire d'arrêter de toucher ce qui m'appartient? Tout ce que tu pouvais faire pour moi, ne fais plus rien, laisse-moi tranquille. C'est difficile? Est-ce vraiment difficile de comprendre? Reste loin de moi. Oh. Maman, c'est quoi les problèmes, non? Elle me pose la question de savoir s'il y a un problème. Tu es le problème, Amanda. Ne touche rien qui m'appartient dans cette maison. C'est difficile à comprendre. Tu ne comprends pas? Je dis tout ce qui m'appartient dans cette maison, ne le touche pas. Tu m'as écouté? Si tu veux nettoyer les habits, va dans la maison de ton mari et fais-le. Fais-le pour ton beau-père. Et si ta belle-sœur n'arrive pas à le faire, lave pour lui aussi. Ne touche pas à mes habits, oh. Ne touche à rien qui m'appartient. Tu m'as compris? N'importe quoi. Une faune à rien. Tu ne peux pas te trouver un mari pour venir m'embrayer ici avec mes histoires. N'importe quoi. Si tu touches encore à mes affaires, Amanda, je vais t'enterrer vivante. Et tu vas regretter toute ta vie. Regarde comment tu es à ton âge. N'importe quoi. Stupide. Imbécile. Va te trouver un homme. Tu ne veux pas te marier, Amanda. Et tout ce que tu vas faire dans cette maison sera mauvais. Il fallait que ton père soit en vie pour qu'il puisse voir comment tu as grandi avec des sottises. Si seulement il allait encourager ce que tu fais. Et tout, la mokoboui. Ça devient des trop, ça devient des trop. Je ne sais plus qu'est-ce qui ne va pas avec ma maman, je ne sais pas. Elle refuse que je touche quoi que ce soit dans la maison. Même pour faire la lessive, ça devient un grand problème. Je ne sais pas ce qui ne va pas, c'est pourquoi je suis venue vous dire. Amanda. Présente. Asonye Kweko Tuku, on a un nom. Qu'est-ce qu'on te demande de faire? Hein? Je ne comprends pas. Faire ce que vous me demandez. En tout cas, je ne sais pas. Je ne comprends rien. Tu es une femme. Tu ne vas pas comprendre son importance. Écoute-moi attentivement. Épouse ce jeune garçon et fais ça pour ta maman. Laisse-moi te dire. Tu y es l'unique fille qui est là. Tout ce qu'elle veut, c'est pour ton bien. Et non, le tien. Ah, je suis venue vers toi parce que je suis inquiète. Et ce que tu as trouvé bon maintenant, c'est d'ajouter la tristesse sur ce que j'ai maintenant. Comme ma maman ne s'inquiète pas de la manière dont je sens, et toi également, tu ne t'inquiètes pas. Qui t'a dit ça? Amanda, nous nous soucions de toi. Nous t'aimons tous. Et ce que nous voulons, c'est seulement ton bien. Nous ne pouvons pas te décevoir. Épouse ces jeunes garçons. Excuse-moi. Né. Oui. Ça fait maintenant plus de 7 jours depuis la dernière fois. Je n'ai pas eu de tes nouvelles, ni moi celle de ta fille. C'est quoi la situation dans tout ça? A-t-elle finalement accepté? Naï. Ne te dérange pas. Elle va accepter. Tu comprends? Je connais bien ma fille. Elle est vraiment têtue, mais elle finit par avoir la raison. C'est pour cela, ne te dérange pas, oh? Je vais lui parler. S'il te plaît, fais-le. Parle avec elle, s'il te plaît, essaie de la convaincre pour moi. Je veux vraiment que mon fils l'épouse. Elle est une très très bonne fille. C'est ma fille. Et je la connais très bien. Comme je l'ai dit, ne te dérange pas, oh? Je D'accord. vais lui parler. Hein? Ok. Toi, donne-moi juste 2 ou 3 jours. Tu verras que tout sera fini. D'accord.
Mais je crois que je dois maintenant partir. Oh, toi, tu es toujours comme ça. Tu n'aimes pas qu'on te donne quelque chose. Hey. Mmh. C'est chaque fois. Un jour, nous passerons tous du bon moment. Nous passerons tous du bon moment. Ne t'inquiète pas. Chimamanda. Écoute, laisse-moi te dire. Hein? Nous allons continuer de vivre comme des ennemis dans cette maison parce que tu n'arrives pas à mettre les sourires sur mon visage. Alors fais ma fierté d'épouser ce jeune homme. Sinon, je vais continuer à faire de cette maison un enfer pour toi. Hein? Qu'est-ce qui te passe en tête? Hein? Dieu a décidé de nous bénir avec un homme bon. Hein? Un homme qui a un bon cœur. Un homme qui a beaucoup d'argent. Un homme qui a en lui toutes les richesses. Et tu as décidé de le laisser passer à cause de ta folie. Si tu ne te décides pas, ne t'en fais pas. Ça ne marchera pas dans cette maison. Je suis là. Et mets ça en tête. Cette maison va devenir vraiment un enfer pour toi. Tu ne sauras pas vivre ici. Je te le dis sérieux. N'importe quoi. Stupide. You. N'importe quoi. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Je vais l'épouser. Oui, si c'est la seule chose qui peut te rendre heureuse, je vais l'épouser. Ça va aussi te rendre heureuse. Ma fille, pousse-toi d'abord, on va parler. Ma fille, ma bien-aimée, Amanda la jolie, je suis là, la jolie, hein? Je suis heureuse, tu seras aussi heureuse. Tu as vu? Comme tu as accepté de l'épouser, tu verras que le tout sera maintenant en notre faveur, hein? Sois calme, hein? N'essaye même pas d'écouter tous ceux-là qui te disent que c'est un mariage des commissions. Être marié en présentiel, oh! Marié par photo, oh! Ne le suis même pas. La chose la plus importante est que tu sois marié et resté dans la maison de ton mari. À l'étranger, en Amérique. Hein? Dis-moi un peu. Combien de filles de ton âge ont épousé des étrangers? Dis-moi, combien? La majorité d'entre elles, elles épousent les gens juste ici à Lagos ou juste ici au village. Elles seront jalouses de toi. C'est pourquoi, ma fille, tiens bon, sois calme, ok? Tout ira bien. Je suis ta mère, attends, tu verras. Je ne veux pas te décevoir, je veux le meilleur pour toi. Oh, Nemo. Aïe, comment nous pouvons fêter ça? Hein? Va dans ma chambre, dans le tiroir. Ne casse pas la bouteille. Amène-moi ce vin-là que j'avais ramené l'autre fois quand je revenais de la réunion. À nos réunions de femmes, va le prendre. Vas-y, on va vous célébrer. Hé, ma fille a bien décidé. Unemo. Hey, Ewo, salut, je suis vraiment heureuse de vous voir ce matin. Oh, bonjour, tu es là. Monsieur. Allez, viens t'asseoir ici. Merci, monsieur. Pourquoi tu es venu plus tôt chez moi à la maison? Hey, J'espère que tout va bien. Tout est normal, tout va bien. Nai, je suis venue te dire qu'elle a finalement accepté d'épouser ton fils. C'est pourquoi je me suis dit de courir vite chez toi ce matin pour te donner la bonne nouvelle. Hey! C'est que j'ai désiré de toute ma vie. Hein? Mmh.
Mon frère Uchione. Voilà pourquoi je m'étais dit que je viens te dire. Pour que vous commenciez avec tout ce qui est nécessaire pour la préparation du mariage. Oui, oui. Et tout ce qui est nécessaire pour le mariage. Oui, c'est vrai. Hey. En fait, je dois le dire à mon fils. Que je le dise immédiatement. Non. Sans tarder. Bien sûr, attends. Attends que je prenne le téléphone. Attends. J'aime bien cet homme. Hey. Mon fils, la fille a finalement accepté de t'épouser. C'est une bonne idée. Il faut que je la voie par internet. Si vous pouvez m'envoyer les photos, je vais voir comment elle ressemble. Fils, est-ce que je ne suis plus ton père? Hein? Nous avions été ensemble pendant plusieurs années avant que tu ne voyages. Je sais exactement ce que tu préfères. Lorsque tu vas la voir, tu diras exactement que c'est ce que tu aimes. Papa, toi, hein? Tu connais vraiment comment convaincre les gens. Ce n'est même pas au sujet d'essayer de convaincre quelqu'un, mon fils. C'est plutôt te donner ce que tu aimes réellement. Exactement. C'est depuis quand que ton frère est en Amérique? Il n'est plus jamais revenu. Quoi? Et il ne rentrait pas? Ma chère, il n'est plus jamais revenu. Mais nous avons pu l'atteindre au téléphone. Il disait qu'il était en train d'attendre ses papiers. Dès que c'est prêt, il reviendra. Ne t'en fais pas, bientôt il va revenir. Oh. Je perds. Pourquoi tu as peur? Peur de quoi? Que je peux risquer de ne pas voir mon mari. Non, jamais. Ne parle pas de cette façon. C'est mon frère. Et je crois qu'il va retourner bientôt. Et précisément pour venir t'épouser au... Uchechi, s'il te plaît, puis-je voir sa physionomie? Quelque chose comme sa photo, je peux voir. Je vais voir comment est-ce qu'il est. S'il te plaît. Papa? Papa? Bonjour, papa. Ma chère, tu préfères celle-ci? Celle-ci est mieux, celle-ci. Oui. Je pense que celle que je tiens, non, oui, celle-ci est mieux, celle-ci. Oui. Ma chère, je crois que c'est la meilleure photo de Binaka que nous avons. Ici, son visage apparaît très bien ici. Ça montre très bien son visage. Monsieur, mais... Ça, c'est sa photo d'enfance. Oui, mais il n'a pas été en mesure de m'envoyer une photo récente. Il avait dit où il travaille quelque chose au sujet de... Ce qui l'avait empêché, c'était la connexion Internet. Mais tu peux voir, ça montre très bien son visage. C'est clair, c'est moins que c'est une vieille photo. Oui, il apparaît très jeune. Oui, c'est bien lui, bien qu'il a grandi. Et il est devenu un jeune homme très, très, très beau. Très beau. Une véritable copie à ce que je suis. Regarde-moi. Tu vois un peu, hein? Ma copie quand j'étais jeune. Non, papa. Quoi? Il n'est pas ta photocopie. Celle de ma maman. Ne t'occupe pas de... Est-ce qu'un garçon peut ressembler à une femme? Hein? Il est mon fils et il... Mais... Attends d'abord. Attends d'abord, c'est lui qui appelle. Il appelle. Allô? Mon fils? Tu as appelé pile au bon moment. Arrête un peu toutes ces angles d'histoire. Attends, ta femme est là. Prends les téléphones. Allô? Donc, vous avez déjà parlé au téléphone. Alors, dis-moi, de quoi a-t-il l'air? Est-il sexy? Est-il romantique? Dis-moi. Toi, vraiment, tu es drôle, hein? Oui, on a parlé au téléphone. Il sentait très bien. Mais à propos d'être romantique... Hey.
ma chère, il est romantique. Tu sais combien les hommes sont courageux. Tu sais, il a essayé juste de me convaincre et me dire combien il m'aime. Mm-hmm. Et il a aussi dit qu'il revient bientôt. Es-tu sérieuse? Hey! À présent, mon ami est une femme mariée. Hey! Je suis la seule qui reste au... Hey, tu veux commencer, je ne suis pas encore mariée. Oh, tu es presque mariée. Hey, mon ami, je suis très très fière de toi. Et je pense que je dois commencer à te respecter. Hey. Non, me respecter? Pourquoi me respecter? Tu es mon ami de toutes les façons. En bref, ma meilleure amie, donc on va me respecter toutes deux. Mon ami, regarde comment tu que je vais arrêter ça. Je suis contente. Chukube. Tu sais combien ma maman m'a distrait vraiment pour ces mariages. Je suis laissée mienne. Alors, je ne sais pas, tu vas me suivre au marché? Parce que tu as des beaux yeux pour me chercher quelques habits. À propos habits. De ça, t'inquiète. Je t'avais gardé quelque chose avant que tu ne partes. Laisse-moi te la porter. C'est ça, bon. Ça, c'est mon ami. J'ai t'attendu, mon ami. D'accord. Ma chérie, regarde comment tu es juste la mariée. T'as vraiment mon fait ami. Très drôle, vraiment. enfin. Odoma, Adogo, Dondo. Andeyouala. C'est le moment. Comme notre beau-fils est ici, avec nous maintenant. Hein? Et nous savons que il est avec nous ici, en esprit. Et il sait qu'on va le célébrer ici, maintenant. Prends cette boisson. Et va le donner à son père, afin qu'il boit. Pour que les gens sachent ta belle famille. Ok. Hey, c'est tellement beau le mariage. Ah ouais. Oh. Vas-y, fais ton choix. La mariée. Oh, oh, ça va être chaud. Wow, et le témoin, c'est une petite fille. Oh, d'accord. Elle est citée. Vas-y. Vas-y, choisis ton nom. Tu nous rends fière, ma fille. Oh. Ne sois pas timide. En tout cas. Jangou le quel est mon nom. Vous savez que mon fils Obinaka n'est pas là physiquement. Mais je suis là aujourd'hui pour son compte. Alors, je vais boire ces vins pour le compte de mon fils Obinaka. C'est la tradition. Je vais boire. Ok. D'accord. Magnifique. Vous allez profiter de notre belle fille. Elle prend tout son temps là-bas. Alors, voici la photo de ton mari. Va la donner à ton père. Merci. Il va vous bénir, vous deux. Ok. Très bien. Endorme. Sois heureuse dans ton foyer. Issé. Sois une bénédiction pour ta belle famille. Issé. Pour ton mari. Issé. Et pour tes enfants, hein? Issé. Ton foyer soit rempli d'abondance. Issé. Domine sur tous les esprits. Issé. Qui pourraient déranger ton mariage, Issé. L'avenir de ton mari et l'avenir de tes petits-enfants. Issé. Issé. Reçois la bénédiction de tes aînés. Issé. Tu y es béni. Merci. Enfin. Ok, votre nouvelle épouse. Ouh.
Sois béni, sois béni, sois béni, ma fille. Oui, vite, 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 rapidement, rapidement, rapidement. Apporte la boisson. Oui, apporte-moi la boisson. Ah oui, c'est vrai, je te l'avais dit. C'est ça, oui. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est ce que tu avais dit, tu vois. Comment à propos de ça? Celle-ci, c'est quand nous étions allés chez Igwe, lorsqu'il avait perdu sa femme. Et aussi, celle-ci, c'était quand nous étions allés voir la famille de ma maman. Mais j'ai aimé ça. Ça, c'est mon frère, ton mari, avec sa grosse tête. Ah, oh, papa, bienvenue. Vous avez beaucoup traîné. Mes filles, la réunion d'aujourd'hui a vraiment pris du temps. On devait essayer de discuter sur beaucoup de problèmes. Ah, avez-vous fait quelque chose à manger? La femme de Obinaka a préparé un repas spécial. Hein? S'il te plaît, apporte-moi ça. Je ne peux pas attendre. Ok, s'il papa, te plaît. On part vous servir. Eh hey, mon Dieu! Amanda, ton mari veut te parler. Prends, prends, prends. Allô? Mon bébé d'amour, comment tu vas? Je vais bien en tout cas, comment toi aussi? Pas mal en tout cas, on vit encore. J'espère que personne ne te dérange. Parce que si on te dérange, fais-le moi juste savoir. Hein? Personne ne le fera. Oh, qu'est-ce que tu dis? Personne ne me distrait. Je vais bien. Comment va maman? Elle va bien. Elle t'a demandé. Et quand est-ce que tu vas revenir? Hein? J'ai vraiment besoin de te voir. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tu me verras bientôt. Prends bien soin de toi, d'accord? Et si je travaille, je fais le tout pour avoir l'argent pour nous deux. Ne t'inquiète pas, papa va t'expliquer. Ok. Sois prudent, ok? Ok, mon amour, je dois partir. Les devoirs m'appellent. Ok, bye. Oh, pourquoi tu ne l'as pas dit qu'il me manque? Il me manque aussi. Oh, tu n'es pas la seule à qui il manque. Il me manque aussi. Allez, viens là, toi vraiment, tu es drôle. Alors, laisse-moi quitter. Alors, aide-moi, bé, aide-moi. Amène les verres à la maison, je les ai nettoyés. D'accord, d'accord, d'accord. C'était vraiment comme une blague. Mais maintenant, c'est une réalité. Je pensais que c'était vraiment des aventures. Mais maintenant, c'est vraiment sérieux. La nouvelle est que je me marie avec un grand homme. Je vais me marier. Je suis confortable ici. Mais pas en dehors de mon mari. Je suis vraiment impatiente de la voir. Oh mon Dieu, tu as levé la honte au-devant de moi. Amen. Uchi, 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 Amanda. Oh mon Dieu. Pourquoi tu danses comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Ah,
Uchechi, j'ai une bonne nouvelle pour nous. Bonne nouvelle? Je ne peux attendre, j'ai une bonne nouvelle pour nous. Mais alors, c'est pas cette bonne nouvelle, non? Hein? Ah, papa, bon après-midi. J'ai entendu ta voix de l'intérieur. C'est qui te poursuit? Oh. Ok. Vas-y, parle. Papa, je viens de recevoir l'appel. 3 minutes passées. Mon mari, votre fils, oui. Ton frère, il vient maintenant. Es-tu sérieuse? Attendez. Es-tu sérieuse? Papa, tu l'as attendu? Il t'a appelé? Oui, il m'a appelé. Je viens de recevoir son appel. Il y a maintenant 3 minutes passées. Écoute, papa. Il a dit qu'il vient demain pendant la journée. Oh. Il sera là déjà demain soir. Et il a dit aussi qu'il veut que quand il viendra, que je parte avec lui à Lagos. C'est ce qu'il veut. C'est qui est bien. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Je suis tellement heureuse. Tu m'as demandé quelque oui. chose. N'aie pas le temps, tu es déjà parti immédiatement. Non, c'est pour demain. Tu sais pourquoi il me veut? Tu Papa? As vu, hein? Tu as vu? Quand je t'ai parlé, tu pensais que j'étais en train de jouer. Tu étais là à te plaindre. Toi et Chino, vous n'êtes pas sérieux. Mais regarde maintenant, hein? Dieu est vraiment de notre côté, hein? Oui, oh, il a fait. Je suis très heureuse. Mais maman, je suis désolée de tout ce que je t'ai fait en premier. Je suis très heureuse. Je oh mon Dieu. Envie de voir mon mari. Regardez cet enfant. Ok, tu es maintenant contente plus que moi. Hein? Moi aussi je suis contente. Oh mon Dieu. Écoute, hein? Quand tu iras en ville, fais un effort de bien te comporter. Hein? Ok. Ne pars pas là-bas et continue à vivre comme une villageoise. C'est vrai que tu es une villageoise, ça c'est connu. Ne pars pas nous faire honte là-bas, ne fais pas ça. Oh, quand tu arriveras là-bas, comporte-toi une fille intelligente parce que tout est donné aux personnes intelligentes. Hein? Quand tu les fais, maintiens ton comportement, comporte-toi bien. Hein? Ok. Prépare pour ton mari et fais-lui de la bonne nourriture. Hein? Tu sais que je t'ai appris à préparer, n'est-ce pas? Oui. Et... Maman, qu'est-ce qu'il y a? Maman, qu'est-ce que tu dis? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Un peu de fier. Oh, c'est quoi tu veux me demander? Tu ne connais pas ça. Hein? Tu es mariée, non? Maman! Sois serviable, tu n'es plus une petite fille, il faut que je te le dise. Madame, tu es maman da, on est ma okoli, mère de mère. Répète-le encore. Mère de mère. Mère de mère. Tu vois, mon ami, c'est pourquoi je suis venue t'informer. Oh. Tu sais, je ne peux jamais prendre une décision sans que tu le saches en première. Tu as bien fait, oui. Ma meilleure amie. Merci. Je t'en prie. Et aussi, Amanda, tu dois être très très prudente. Tu sais que tu n'as jamais été à Lagos. Hein? Et aussi, ta maman ne va pas te permettre d'aller tout seul. Parce qu'il prend une maison et il veut que je sois là. Es-tu sérieuse? Hey. Et tu sais quoi? Après ça, nous allons rentrer au village nous deux. Hey, mon amie, tu es très 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 chanceuse. Je suis chanceuse. Je suis très contente pour toi. Merci. Hein? Et je t'aime beaucoup. Je t'aime vraiment beaucoup. Je sais. Et hey, Amanda, j'ai vu aussi ce genre de mariage. Oh. Je voulais dire, désormais... Très très bientôt, tu vas dormir avec ça la nuit, oh. Je ne veux plus dormir pendant la nuit, qu'est-ce que tu dis? Cette chose-là. Regarde-moi ça, tu es vraiment drôle, tu connais ça? Oh. Écoute, Lagos est une très très grande ville, oh. N'ose pas permettre d'être emporté par qui que ce soit. Hein? Une fois que tu arrives à Lagos, va tout droit jusqu'à l'aéroport pour le recevoir. Et rassure-toi d'être en constante communication avec nous, jusqu'à ce que tu arrives là. Ok, papa. D'accord? Merci. Ma belle-sœur, s'il te plaît, dis à mon frère qu'il nous a beaucoup, beaucoup manqué.
et nous l'attendons pour qu'il puisse retourner à la maison. S'il te plaît, n'oublie pas. Préviens-lui quand il reviendra au village de m'apporter plein de cadeaux. Ok? Ton frère sait déjà qu'il doit t'acheter beaucoup de choses. Est-ce que tu m'entends? Partez. Partez maintenant dormir. Vous devez vous réveiller très tôt. Bonne nuit. Je dois déplacer cette table. C'est pas grave, laisse-moi ces tabourets. J'aurai besoin de ça. Ok. Je l'utiliserai pour mettre mes pieds dessus. Mon pote, mon meilleur, en tout cas, ça fait vraiment longtemps. Longtemps, vraiment. Je suis très content de te revoir. Moi aussi. Hé! Hey. Hein? Pourquoi je le regarde comme ça? Hein? Est-ce que tu vois ce que je viens de voir? Je ne sais pas ce que tu as vu, mon cher. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que tu veux dire? Cette belle fille ne s'était pas approchée de toi? Oui, tout le monde sait que tu apprécies vraiment des bonnes choses. Tu dois aller doucement, mon cher. Oh, tu en as assez. Qu'est-ce que les hommes veulent vraiment avoir? Hein? Si ce n'est pas le femme, c'est pourquoi je deviens ivre. Et c'est pour cela que tu as voulu que je boive avec toi? Qu'est-ce qui t'a fait rire? C'était fait rire, n'est-ce pas? Je n'amuse personne. Je suis en train de me réjouir. C'est comme je bois maintenant là. Je prends le temps pour prendre un bon bain. Et une femme va me masser le corps et me faire me sentir un homme comme je suis. Ça, c'est mon ami que j'ai toujours connu. Tu ne changeras jamais. Quant à moi, c'est seulement ça. Et quand je bois, je me relaxe. Tu me connais. Oui. Tu n'as pas... Qui est-ce? Raymond? Oh, c'est Raymond. Allô? Raymond? Ah! Oui! Quoi de neuf, mon pote? Es-tu sérieux? Depuis quand tu es rentré dans le quartier? Ah! Hi, mon pote. Tu devais juste prendre quelqu'un sur ton chemin. Où es-tu maintenant? Tu me suis? Nous sommes en place, mec. Nous arrivons tout de suite. Oui, nous. Je suis avec Kesley. Ouais. Très bien. Très bien. Nous serons là à l'heure. Bien. Ah. Raymond est déjà rentré? Il m'a dit qu'il fait des walites. Une bonne chose. Ouais. Et tu avais dit on arrive. On va où? Ouais, à la maison d'Annie. Il dit qu'il veut organiser un truc du genre retrouvaille. C'est ce que je me disais. Ça, j'aime. Écoute, on doit éviter les filles là-bas. Hein? Ne fais pas ton malin, n'est-ce pas? Bien saisi. Excusez-moi. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je peux avoir une soupe? Ah, merci beaucoup. Mon cher, je suis content de te voir. Regarde. Mais écoute, il faut vraiment que tu te calmes avec le fille. Elles vont te tuer, tu sais. Jessly.
Hein? J'essaie de l'appeler depuis, mais son téléphone ne passe pas. C'est pour dire que son numéro ne peut pas passer là-bas en ville. J'essaie d'appeler son numéro, mais ça ne passe toujours pas. Son téléphone est éteint. Hey. Hey, hey, qu'est-ce qui arrive à ma fille, oh? Oh, ma fille, qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'as mandé pardon. Ne me fais pas ça, oh, ne me fais pas ça. Attends, attends, tu veux dire qu'elle n'est pas avec toi? Alors, c'est quoi le problème, non? Mon Dieu. Ça veut dire que leur véhicule n'est pas encore arrivé ou quoi? Papa, je ne sais pas vraiment. Ça fait beaucoup de temps que je l'appelle, mais elle ne décroche toujours pas. Oh, elle était censée être déjà là. Parce que la dernière fois que je l'ai appelée, elle m'avait dit qu'elle est déjà presque arrivée. Mais jusque-là, je n'arrive toujours pas à comprendre. Hey, je suis fini. Je suis fini, oh. Obinaka, tu veux dire que tu dois aller dans un poste de police pour faire une déposition d'une personne qui est portée disparue? Non, papa, on ne peut pas d'abord faire ça. Attendons quelques minutes, s'il vous plaît. Peut-être elle est à l'hôtel et son numéro ne passe pas. Et je suis sûr que lorsqu'elle chargera le téléphone, elle va m'appeler. Je pense que tu as raison, mon fils. Ne la déclarons pas portée disparue, comme tu l'as dit. Attendons d'abord, hein? Et je pense que tu peux gérer tout ça, oh. Ne t'inquiète pas, papa. Je vais aller demain au parc très tôt au matin et on verra quoi faire. Ok, merci. Papa, demande à Odinaka de ne pas faire cela. Papa, arrête de te stresser. Nous allons trouver une solution, hein? Tu as raison, tu as raison. Eh, mon Dieu. Prions. S'il te plaît, ne permets pas que quelque chose arrive à ma belle-fille. Amen. Amen, papa. Papa, allons à l'intérieur. Dieu va s'occuper de ça. Ah, mon cher, ça va? Mec, cette fille est très têtue. Très têtue. Qu'est-ce que je veux dire par têtue? Elle n'est pas une stripteaseuse? Elle est différente par rapport à d'autres stripteaseuses. Crois-moi, mec, j'ai fait tout ce que je devais faire. Peut-être qu'elle veut que tu la payes d'abord, n'est-ce pas? Ce n'est pas à propos de l'argent. Ce n'est pas à propos de l'argent. Alors, tu avais dit que tu as besoin d'une fille ce soir. Tu vas faire comment? Je n'avais plus d'autre plan que ça. Oui, elle est vraiment bizarre. Tu sais quoi? J'ai un plan pour toi. À quoi est-ce que tu penses? Ah! 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 Ah, mon cher, comment va la fille? Mec, je suis vraiment occupé actuellement. Cette fille veut me tuer. Je crois qu'aujourd'hui, tu es vraiment satisfait. Je suis désolé. Nous allons parler le matin. L'homme comme Benson. Ces gars. Hey. Très bien.
Oh, jeune fille, comment ça va? Je vais bien, monsieur. As-tu mangé ta nourriture? Oui, c'est fait, merci beaucoup. S'il te plaît, puis-je utiliser ton téléphone? Je vais appeler, s'il te plaît. Ah, dépêche-toi. Je ne pense pas que c'est possible pour le moment. Donne-moi un peu de temps. Laisse-moi envoyer ce message. Ces gens me dérangent. Pourquoi tu ne peux pas utiliser ce téléphone? Prends. Merci beaucoup. Je t'en prie. Allô? Allô, maman, c'est moi, Chimamanda. Hey, Chimamanda. Qu'est-ce qui t'est arrivé, non? J'essaie de t'appeler depuis hier. Je sais, maman, je suis désolée. J'étais attaquée. Hey! Oh mon Dieu! Maman, ne t'inquiète pas, je vais bien. J'ai rencontré une bonne personne qui m'a sauvée. Et je vais bien. Hey, maman, excusez, ce que je vais te dire maintenant est que je veux que je parte de la maison familiale de mon mari. Demande s'ils sont en contact. Et s'il a un numéro et essaie encore de m'appeler, contacte-moi, je te dirai quoi faire. Tu m'envoies son numéro ou d'autres nouvelles, s'il te plaît. Pas de problème, pas de problème. Je pars directement là-bas. Laisse-moi juste dépêcher mes pas. Mais ma fille, s'il te plaît, reste avec cet homme. Parce que tu es en sécurité avec lui. N'y va pas à d'autres places, ok? Laisse-moi dépêcher mes pas. Ok, maman, va maintenant. Merci. Oui, je vais attendre ici, je vais attendre. Elle a dit qu'elle revient bientôt. Je dois attendre ici. Waouh. D'accord. Né? Qu'est-ce que c'est? Je courais pour venir chez qu'est-ce toi. Qu'est-ce que c'est? Mamanda vient de m'appeler. Assieds-toi là, assieds-toi là. Et t'as appelé au téléphone, où ça? Mais nous avons essayé de l'appeler, son numéro ne passait pas. Oui, elle a appelé sur le numéro d'une autre personne parce que son numéro ne passe pas. D'accord. Elle a dit qu'elle a été attaquée à son arrivée de la ville. Juste à son arrivée de la ville hier. Hey! Hey mon Dieu! Hey! Seigneur! Hey! Hey! Naï! Je ne sais pas quoi faire. Voilà pourquoi je suis venue te voir. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a aidé. Comme ça, il va savoir que Odinaka a parlé avec toi. Oui, Obinaka a pu m'appeler. Hey. Et il s'inquiétait énormément. Mais peu importe, il trouve le nom de quelqu'un. Il y a un nom avec lequel il a l'habitude d'appeler. Ma fille, viens d'abord sortir ces numéros. Je crois que c'est le numéro d'une autre personne. Papa, laisse-moi voir. Pourquoi il utilise des numéros de gens, non? Je ne sais pas où. Hey, la vie aura plus de... Tu as pu retrouver le numéro en question? Monsieur, merci. Allô, maman? C'est bon. 081 00 29 81 68. Maman, épelle encore les numéros, s'il te plaît. 081 00 29 81 68. Ok. Maman, je t'appellerai lorsqu'il y aura un problème. T'inquiète pas, je vais bien. Ok. Merci, monsieur. Elle a dit qu'elle va appeler car elle a les numéros maintenant. Bien. Ça, c'est bien. Laisse-moi m'habiller. Tu dois le rappeler là où il est exactement pour que j'aille te déposer. Ok, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Le téléphone est là. Appelle-le. Appelle-le. Thank you.
Bien, je me suis déjà habillé. Je vais... Qui m'appelle encore? Bonjour, monsieur. Oui, monsieur. Mais... Tu as dit tout de suite? Non, non, je serai là dans moins de 5 minutes. Oui, monsieur. Tu me verras, monsieur. D'accord, monsieur. Très bien. Bonne nuit. Ah, je m'en vais régler quelques affaires au bureau. Ok. Oui. Prends cet argent. Prends un taxi. Tu dois être très prudente. Nous sommes en ville. D'accord? Allons-y, allons-y, tu vas fermer le portail. Ok, merci, monsieur. Une minute. Oh, bonjour, monsieur. Bonjour. Je cherche Dinaka. Ah, entrez. Excusez-moi. Merci beaucoup. Allô, prenez place. Merci. Oui. Merci, monsieur. Mon cher. J'ai poussé quelqu'un à coucher avec ma propre femme. Oh mon Dieu. Merci, mais ce n'est pas ce que j'ai fait. J'ai besoin que mon mari revienne. J'ai besoin de mon mariage. Qu'est-ce qu'il ne va jamais écouter personne? Il ne veut pas m'écouter et non plus toi. Hein? S'il te plaît, oublie-les. Écoute, si tu veux retourner au village, je vais personnellement te ramener là-bas. D'accord? Hein? S'il te plaît, dépêche-toi. Je veux que tu te sens libre et que tu te sens mieux. Hein? Fais ça. Et tout sera parfait. Je suis sûr que tu te sentiras bien. Décide-toi. Hein? D'accord? Ah.
Mon frère, mon frère, mon frère, bienvenue. Ah, ah, mon frère, bienvenue. Ah, oh, où est Amanda? Comment ça va? Ah, papa, papa, ah. Viens voir mon frère. Obinaka. Je n'arrive pas à y croire. Ah. Tu es le bienvenu, mon fils. Tu es le bienvenu. Ah. Tu es le bienvenu. Merci, papa. Mm-hmm. Tu es le bienvenu. mais où est ta femme? Papa, tu devais me le dire. Te dire quoi? Tu devrais me dire que tu as fait épouser une prostituée comme femme. Mais que veux-tu dire, Obinaka? La femme que tu as épousée pour moi, elle est venue en ville juste pour vendre son corps. Ha! Mon frère, moi je ne crois pas à ça. Oh. Comment est-ce que Amanda peut aller à la cité là où elle n'a jamais été et commencer à se prostituer? Je n'y crois pas. Tu sais qu'elle a couché avec mon ami? Oui, elle a couché avec mon ami. On l'a croisée en cours de route. Papa, tu sais que je ne l'ai jamais vue. Oui. Je ne la connais pas de visage. Oui. Elle nous a juste expliqué qu'elle était perdue. Mais elle a suivi mon ami jusque dans sa maison. Elle a passé toute la nuit chez mon ami. Et le matin, elle m'a dit qu'elle n'a pas couché avec mon ami. Non, 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 non. Attends d'abord, mon fils. Es-tu sûr de ce que tu es en train de dire? Papa, je suis à 100% sûr. Laisse-moi te choquer. Lorsque j'ai demandé à cette fille de quitter mon appartement, au lieu de rentrer au village, elle est allée chez mon ami. Ha! Amanda! Ha! Moi, je ne crois pas. C'est une confusion. Je ne peux pas. J'ai expliqué à papa. Il fallait au moins que tu attendes que je puisse la voir. Mais tu n'as pas voulu. Regarde ce que ça a donné. Hein? Mon fils, bien que ça. C'est la première fois que tu reviens après plusieurs années. Non, tu ne peux pas être sous cette humeur. Nous allons le régler. Hein? Viens dans la maison. Viens dans la maison. Amène les bagages, s'il te plaît. Ok, allons-y. Ma fille, va prendre ton sac. Mon fils, est-ce que tu fais de la musculation ou quoi comme ça? Hein? Dis-moi, tu as normalement pris du poids. Entre dans la viens maison. Viens m'ouvrir, non. Mon frère. Venir chez moi. Hein? C'est comme ça que tu t'es décidé d'amener la honte dans cette famille? C'est ça? C'est maman? Comme ça que je t'ai élevée? Pourquoi tu m'as maman, fait ça? Non, je n'ai rien fait, maman. Fais-tu la fermer? Fais-moi ta bouche insensée. Tu ne crois que je ne sais pas? Tu crois que je ne suis pas au courant? Odinaka est de retour dans ce village et ton histoire hantée est connue de tout le village. Au lieu d'attendre ton mari, tu t'es décidé de nous apporter la honte. Qu'est-ce que je t'ai fait, Amanda? Je ne t'ai pas bien élevée. Je ne t'ai pas bien éduquée. Amanda, pourquoi? Amanda, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi? Je suis désolée, je n'ai rien fait, maman. Bonjour, maman. Qui es-tu? Mon nom est Benson. Je suis l'ami de Kingsless. C'est lui qu'on accuse de coucher avec Amanda. Et tu y as le courage de mettre de pied dans ma parcelle après avoir disgracié ma fille? Non, maman, non. Pardon, maman, tu dois m'écouter d'abord. Sors d'ici. Maman, désolé. Je te demande de sortir. Maman, sors d'ici. Maman, sors de ma parcelle. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Maman, arrête. Et tu viens de défendre. Hein? Attends, Sors, maman. Sors de ma parcelle. Maman, écoute-moi. Sors, je vais me balader.
Écoute, moi je vais t'expliquer. Maman. Que je te vois encore ici, tu verras. Maman. Idiot. Maman. Ma fille, ma Dieu. Maman, arrête, s'il te plaît, arrête, ne fais pas ça, maman. Ne fais pas ça, arrête. Arrête. Maman, écoute, je vais t'expliquer, maman. Maman, s'il te plaît, s'il te plaît, maman, lève-toi, lève-toi. Amanda. Amanda. Hey, les problèmes que personne dans ce village ne veut me croire. Personne ne veut me croire. Moi, je te crois. Amanda, je te fais confiance, crois-moi. Quels que soient les problèmes, je te fais confiance, je te crois. Mais le problème est que... Comment nous allons parvenir à convaincre tous les villages de croire contrairement à ce que Odinaka dit à son père? Ma chérie, je n'ai rien fait, je suis innocente. Je sais. Je n'ai rien fait, je n'ai pas perdu ma virginité, je t'ai dit. Oh. Je sais, Amanda, essuie tes larmes. Tout ce dont tu as besoin maintenant, c'est l'intervention divine. Tu dois prier Dieu pour cette situation. Il n'y a que Dieu qui peut résoudre tout ça. Mon mariage est fini. Mon mariage est fini. Non, je veux que mon mariage soit bien. Non, je le fais. Ah. Amanda, arrête. Je veux mon mariage. Amanda, arrête. Je t'ai dit la vérité. Il n'a pas vu ma nidité. Je sais, je t'ai crois. Qu'est-ce qui m'arrive oui, encore? Chef. Je trouve ça étrange. J'ai fait de mon mieux pour montrer que cette fille est innocente. Je veux dire, elle est innocente. J'irai avec toi. Ouf. J'irai avec toi, ok? Arrête de te stresser. Oh. Maman, crois-moi, tout ce que je t'ai expliqué, c'est vraiment la réalité. Il ne m'a jamais touché. Il ne l'a pas fait. Ma fille, tu es sûre que tu me dis la vérité? Maman, tu me connais bien. Je suis ta fille. Même si je peux mentir à tout le monde, mais pas à toi, maman. J'ai juré devant mon Dieu qui a pris mon papa avant l'air. Je n'ai pas couché avec lui. C'est fini. C'est fini. Je ne veux pas que tu joues sur les tombeaux de ton père. Viens. C'est fini. C'est fini, ma fille. C'est fini. C'est fini. Mais toi. Il n'est pas jamais touché, maman. Il n'est pas, pas touché. S'il te plaît, est-ce que nous faisons la bonne chose? Je ne pense pas que nous devons aller à mon frère. Je pense que c'est une mauvaise idée. Ah non, ne dis pas ça. Je vais mettre ça au clair. Je ne vais pas abandonner. Mais comment une fille aussi innocente peut continuer à recevoir de blâmes? Bien que réellement elle n'a rien fait, je ne vais pas abandonner. Es-tu sûr? Nous devons faire ça. Ok, allons-y seulement. Calme-toi, ok? Je suis tellement déçu de ce que mon ami m'a fait. C'est ça le monde que nous vivons, Owo. Je veux que tu oublies tout ça. Il y a beaucoup de belles femmes dans ce village. Je ne veux pas que tu épouses une femme de la cité. Je ne veux pas voir une femme troubler mon frère. Tu penses vraiment que je vais m'éloigner de toi? Ah oui, je le sais. Après beaucoup d'années, tu m'as beaucoup manqué. Qu'est-ce que tu fais ici? Oui? Qu'est-ce que tu fais chez nous? Mon fils, pardon.
calme-toi. Calme-toi, oh. C'est comme ça que tu accueilles les gens qui viennent chez toi. Cette fille ici, elle n'est pas la bienvenue. Mon mari, et je n'allais pas m'écouter. Tu veux que je comprenne? Hein? Absolument rien du tout. Et je ne suis pas ton mari. Jamais. Obinaka. Obinaka, mon fils. Viens. Je sais que la fille, elle s'est mal comportée. Et d'accord, je connais la raison pour laquelle elle a fait ça. C'est ça la tradition. Ah oui. Papa, c'est une tradition. Nous ne pouvons pas laisser nos mains nous faire claquer nos propres doigts. C'est la tradition. Alors essaie de l'écouter. Ma fille, allez, viens. Viens s'il te plaît. Merci, Naï. Ma fille, ça suffit. Viens. Viens, oh. Venez, Asseyez-vous. Asseyez-vous. Je peux m'asseoir ici. Ah non, non, asseyez-vous. Il est aussi votre fils. S'il te plaît, calme-toi. S'il te plaît, essaie de te calmer. Hein. Calme-toi. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Mon fils. Papa. Oui. Comment est-ce que tu me demandes de rester avec une femme qui a couché avec mon meilleur ami? Hein? Comment? Calme-toi. Je te corrige. Elle, ma fille n'a pas couché avec lui. Elle n'est pas sortie avec ton meilleur ami. Non. Je sais comment est ma fille. Et je connais comment mon ami est. Mon ami ne laisse jamais aucune fille sans la dévorer. Qu'est-ce que tu dis? Tu connais ta fille, tu connais mon ami. Ah! C'est vraiment malheureux que nous soyons arrivés jusqu'à ce niveau. Oh! Merci! Tu as vraiment l'audace de venir ici dans ma maison. Et tu as couché avec ma femme. S'il vous plaît, arrêtez, s'il te plaît. Obinaka. Arrête, s'il te plaît. Viens. Quitte ma maison. Obinaka. S'il te plaît. Obinaka. Ne fais pas ça. Papa, peux-tu imaginer qu'est-ce qu'il fait ici? Après tout ce qu'il m'a fait, hein? C'est bon. Asseyons-nous d'abord. On dit toujours que si quelque chose n'arrive pas, une autre chose arrivera. Viens t'asseoir. Ma fille, arrête de pleurer, sois calme. Mon fils, viens là. Ma fille, viens aussi. Vous êtes les bienvenus. Ma fille, va leur prendre une chaise pour s'asseoir. Asseyons-nous. Ma fille, assieds-toi là-bas. Tu accouches avec ma femme et tu me racontes de n'importe quoi. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Mon fils, s'il te plaît, fais attention avec cette chaise. Hein. Fais attention avec cette chaise, mon fils. Je suis tellement désolé pour ces problèmes. Heureusement que je vous ai trouvés tous ici. Mon cher, nous avons été amis il y a de cela très longtemps. Vous et moi savons très bien quelle est votre femme depuis la nuit où nous l'avons rencontrée. Tu devrais m'écouter. Tu es mon meilleur ami et tu le sais très bien. Je te l'ai dit à plusieurs reprises que rien ne s'est passé entre moi et cette femme qui se tient là. Comment veux-tu que je te croie? Comment? Oui, j'étais là. J'étais là cette nuit. J'étais là. Cette nuit-là, je t'avais appelé et tu m'as conseillé d'arrêter d'être ce que j'étais. Je veux t'expliquer ce qui s'était passé. Je commence déjà à en avoir marre de toi. Peu importe les plans que tu as pour cette nuit, sache que ça ne marchera pas. Monsieur, s'il te plaît, c'est un aide que j'ai besoin et tu me l'avais promis. Oh oui, j'ai promis de t'aider à t'héberger ici dans ma maison. Mais tu demandes juste une petite chose. Hein? Laisse-toi aller. Ça serait une manière de me remercier pour tout ce que j'ai fait pour toi. Mais pourquoi c'est si difficile pour toi de comprendre ça? Fais ça avec moi. Je ne serai pas embarrassé. S'il te plaît.
Tu dois comprendre que je suis mariée. Tu m'as arrêté cette bêtise. Arrête-moi cette connerie. Si je t'avais laissé dormir là-bas, les vagabonds allaient venir peut-être te tuer. Qu'est-ce que tu allais faire? Non, qu'est-ce que tu allais faire? S'il te plaît, j'ai beaucoup apprécié tout ce que tu as fait pour moi. Mais ce que tu me demandes, c'est trop. Oh. Tu apprécies tout ce que j'ai fait. Et je dois encore faire plus. Amanda, assieds-toi. De toutes les façons, la seule façon pour toi de me remercier et de me faire plaisir en me satisfaisant ce soir. S'il te plaît, je t'en supplie. Je ne suis pas intéressée, j'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît. Je ne veux plus le répéter encore une fois. Je veux briser les règles. Il te reste quelques minutes pour te décider. Je veux te retourner là où je t'avais ramassé dans la rue pour faire ce que tu avais fait. N'ose pas. Ouf. C'est quoi ça? Hein? Beau garçon que je suis, tu es en train de me refuser. Laisse-toi faire, juste une fois. Hein? C'est tout ce que j'ai besoin. Écoute, monsieur, écoute, écoute, s'il te plaît, écoute. Il y a quoi? Je suis indisposée pour le moment. Indisposée? Oui. J'aime ça. Maintenant, tu as parlé. Maintenant, tu as parlé. Comment tu veux qu'on le fasse maintenant? Hein? Jolie fille. Yeah. Monsieur. Non. Je désire mourir en route au lieu de trahir mon mari. Donc, tu préfères le donner à un garçon qui ne t'aime pas. Pendant que tu peux t'amuser avec moi, qui te le demande. Hein? Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas détruire mon mariage. Tais-toi! Sors! Attends. Tu peux rester. Je ne vais plus te toucher. Tu peux rentrer. Oh. Merci, monsieur. Merci que Dieu se souvienne de toi. Dieu va te bénir. Merci beaucoup. Merci. Salut Liliane. S'il te plaît, tu dois un peu revenir ici. Je sais. Je veux juste te voir cette nuit. Par rapport à la fille que j'héberge dans mon appartement. Elle est dans ma maison maintenant là. Et tu connais les risques d'avoir un homme et une femme sous un même toit. Spécialement quand cet homme est célibataire. Ah, ok, j'arrive tout de suite. Très bien. Tu y es
si douce. Viens ici. Hey. Tu sais quoi? Quoi? Je dois maintenant aller là-bas pour me laver. Ensuite, nous allons entamer la deuxième round. Ça, ce n'était qu'une première round. T'es toujours comme ça. Tu es déjà prêt pour cette nuit. Qu'est-ce que tu me racontes là? Juste, attends ce qui va se passer. À la deuxième J'ai round. J'ai gagné. Attendez. Si je te comprends bien, tu ne sais pas où se trouvent mes paquets. Oh Seigneur, je ne plaisante pas avec les affaires. Oui, j'ai mis un tarif. C'est bon? Très bien. C'est très bien. Magnifique. Mon bébé. Comment va-t-elle? Elle est en train de prendre son petit déjeuner. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pitié de cette fille. Ah, oh. Je vais aller au travail. Je t'aime. Bye bye. Méchante fille. Où est-elle à cette heure? Oh, Amanda, comment ça va? Je vais bien, monsieur. J'espère que tu as pris ton petit déjeuner. Oui, c'est fait. Merci. Bien. S'il te plaît, puis-je utiliser votre téléphone? Je vais appeler. S'il vous plaît. Ah, tu dois te dépêcher. Je ne pense pas que tu pourras l'utiliser maintenant. Juste, donne-moi quelques minutes, le temps que je puisse passer un appel très rapidement. Sinon, tu peux utiliser ça. Merci beaucoup. C'est d'accord. Amanda est une femme tellement unique que je n'ai jamais vue depuis que j'étais née. Justin, tu ne te rends pas compte de ce que tu as. Tu ne sais pas. Vous savez, il y a un dicton qui dit « La chauve-souris savait qu'elle était laide et elle a choisi de voler la nuit. » Si quelque chose ne s'est pas passé, quelque chose d'autre ne se passera pas à côté de ça. Si ton jeune ami ici présent était coupable de ce dont tu l'accusais, il n'allait pas être là pour essayer de tout expliquer. C'est très très clair. Que ma fille a des mains propres. Je suis vraiment désolé. Ça ne va plus jamais arriver. Oh, mon amour. Je ne te croyais pas. Je suis désolé. J'ai compris comment tu as souffert. Et ça ne va plus jamais se répéter.
Avant, je ne te croyais pas. Maintenant, je te crois. J'espère trouver une place dans ton cœur. Ma chérie, ma femme, je suis désolé. Arrête de pleurer, ça va aller. Je te remercie. Père, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi, mon Dieu. Son pote, c'est pour nous. Non, mais regardez. Papa. Je suis désolé. Je suis désolé de ne pas t'avoir cru. Enfin, tu as toujours été mon meilleur ami. J'espère que tu vas me pardonner. Tu as le choix. Non, je n'ai pas de choix. On est quitte. Je te remercie. C'est un plaisir. Mon ami. Tu vois, tout ce jeune qui va me donner de l'hypertension. Et c'est où ces boissons que tu nous as apportées venant de l'étranger? Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.